témoignage, comme vous l'avez suivi hein, tout à l'heure. Donc, que Dieu soit béni. Donc, nous allons écouter cette fois-ci le témoignage de notre sœur qui vient de loin et qui elle-même va se présenter, qui va se présenter elle-même et puis nous dire un peu ce qu'elle vit avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Par la grâce Alléluia. de Dieu, Amen. grâce à Jésus, tout va très très bien. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tu vas. Ben, les frères et sœurs sont juste là, la première caméra sur. Oui, Voilà. ben, bonsoir, je vous dis bonsoir. Et vraiment, moi, comme je le dis, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai choisi le bon chemin et je ne regrette pas. Amen. Et j'étais musulman, je dois le dire, et je n'ai pas peur, je n'ai pas honte. Amen. Amen. Même aujourd'hui, mon père et ma mère qui n'est pas là, s'ils étaient là, c'était mon choix. Parce que dans la vie, quand le Seigneur il te met sur cette terre, tu fais quelque chose et puis après, il te dit, ben, mon enfant, tu vas terminer par ça. Et c'est ça qui m'est arrivé. C'est vrai que j'étais musulman, pour moi, c'était un non. C'était pas, au fond, je ne pratiquais pas trop. Et Dieu, il savait pourquoi il me faisait ça. Et j'étais comme ça. Et puis, je disais devant des frères pour dire, ben, je suis musulman, mais vraiment, je ne pratique pas. Je n'ai pas la force, quoi. Et du coup, un jour, j'étais couché, j'ai fait un rêve. Et avant que je connaisse le frère Chora, Chora, OK. j'ai fait un rêve. Et je marchais, j'ai vu un endroit. Quelque chose me dit, tu rentres là. J'ai dit, ben, je vais rentrer ici, mais c'est petit. Nous, il faut rentrer. Et je suis rentré. Et j'ai plié mes genoux, plus mes coudes, en train de. Tu marchais sur les genoux avec les coudes comme ça. Voilà, comme un bébé qui fait quatre pattes. D'accord. Et arrivé, quand je suis rentré dedans, j'ai vu tout était blanc. C'était des tunnels, c'était pas avec béton ni les tôles, rien. C'était avec la peau de mouton. Un tunnel avec un peau de mouton. Et quand je partais, je soulève ma tête, tout était blanc. Tout blanc. Et je continuais. J'ai dit, mais dis donc, Dieu, c'est quoi ça? Mais c'est beau ici, ici c'est où? J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh Dieu, merci. Et je continuais. Et arrivé devant, j'ai vu quelqu'un, grand détail, il était blanc barbu et puis cheveux longs blancs. Et il me fait comme ça. Et je continue, je dis, mais c'est beau. Je continue à regarder en haut. Et là-haut, c'était blanc, tout blanc. Il n'y avait pas de, rien du tout. J'étais tellement contente. Et quand je partais, je sors au dehors, tout est blanc. Et je regarde en bas. Quand je suis sortie, j'ai vu là-haut, tout était blanc. Et puis, il y avait Jean Couronne qui brillait comme ça. Donc tu as vu une couronne dans le ciel hein, Voilà, qui dans le, brillait. justement, c'était comme ça. Qui brillait, j'ai dit, mais dis donc, Dieu, merci, c'est quoi ça? J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis c'était joli, l'endroit était tellement beau. Et après, ça s'est passé vers les 3 h du matin et 4 h du matin. Et après, je me suis réveillée, j'ai dit, mais Dieu, ça c'est quoi? Ah, Dieu, ça c'est quoi? Et j'ai eu un peu peur, le sommeil a coupé. Le lendemain, j'ai dit, mais j'étais calme, triste, j'ai dit, mais y a Dieu, si c'est un bonheur, ou bien si vous savez que je vais aller quelque part qui est bien, montre-moi ça. J'étais un peu bizarre. J'ai dit, bon, j'appelle ma soeur en Afrique. Pardon, comme nous les musulmans, quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, tu appelles un parent ou bien un féticheur, un voyant. Et après, quelque chose me dit, non, tu n'appelles personne. Je suis restée. Et comme c'était le rêve, c'était un jeudi et le lendemain, c'était un vendredi. Et après, j'ai dit, bon, je vais aller payer du lait et je vais dans une mosquée pour donner. Et quelque chose me dit encore, pour faire quoi avec le lait? Laisse tomber, laisse tout. J'étais là, j'ai dit, bon, je laisse tomber. Et ça s'est passé vendredi, j'ai eu ces trucs. Et vendredi soir, j'ai le mari de mon mari, il a son copain en Italie et sa femme qui ont appelé mon mari. Disons mon copain, on n'est pas encore marié, j'ai fait mariage musulman. Bon, pour le chemin de Dieu, il y a encore quelque chose de clair que Amen. voilà. Tu mets de l'ordre, Justement. c'est bien.
Et eux, ils ont appelé le père de mes enfants pour dire qu'ils arrivent, qu'il y a, un truc qui va se passer au niveau de Frère Chora et ils vont venir. Et il m'a appelé, il me dit ce que je veux. Moi, il dit, ben, nous, on vient de déménager sur Paris. Mm-hmm. Comme lui, il a un studio, on est tous là avec les enfants. Mm-hmm. Il n'y a pas de place, tout. Ils m'ont dit, non, il n'y a pas de problème, même si c'est petit, on va venir. Mm-hmm. Et quand ils sont arrivés, ils m'ont dit, demain, sur TV2. Et quand ils ont allumé, j'ai regardé, j'ai dit, mais mon cœur était... Waouh. Tout ce que j'ai regardé, ça battait. Je lui ai dit, mais... Pourquoi? Ils m'ont dit, mais tu connais pas? Je dis, je connais pas. Mais depuis que tu es ici, j'ai dit, ouais, je savais pas. Ils m'ont dit, bon, on va aller telle date, le 28, mm-hmm. à Creil. Mm-hmm. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il y avait un séminaire là-bas. Ouais. Et du coup, je suis allée et puis le Seigneur a mis la main sur moi. Tout était bien. Et depuis que je suis quittée, le rêve que j'ai vu, je me suis dit, ben, un jour j'étais couchée dans mon lit, quelque chose me dit, le frère t'a pris. Et pourquoi tu n'as pas raconté ton rêve? Mm-hmm. Et je dormais, c'est venu et j'ai sauté. Je me suis levé, j'ai dit, ah! Donc le rêve que j'ai fait, c'était le frère Chora, on me montrait le chemin, le bon chemin d'aller sur le chemin de Dieu. J'ai dit, Dieu merci, grâce à le compère de mon mari et sa femme, ils m'ont montré le bon chemin. Mm-hmm. Je lui ai dit merci, vraiment... Le chemin m'a montré, je ne regrette pas. Amen. Et après, je me suis couché encore quelque chose, me dit, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Je dis, mais je vais parler à qui? Je ne connais pas l'endroit où le frère habite. Du coup, j'ai appelé en Italie ceux qui m'ont amené dans la maison de Dieu. D'accord. J'ai appelé la dame qui s'appelle Anne, son mari s'appelle Alain Desailly. Mm-hmm. Je les ai appelés. J'ai dit, ah, Anne, vraiment, j'ai fait un rêve. Depuis, je faisais la sieste, il y a quelque chose qui me dit de dire. Il faut que j'ai dit pour enlever sur mon cœur. Mm-hmm. Ou le frère Chora, ou bien de faire quelque chose. Et ce jour-là, j'étais bizarre. Le papa de mes enfants qui vient me dit, mais qu'est-ce que toi, tu es bizarre. J'ai dit, non. Vraiment, où je suis parti là, c'est un bon chemin. C'est un coin que j'ai choisi qui est très bien. Mm-hmm. Et Dieu merci, j'ai eu des gens qui m'ont montré le bon chemin. Amen. Il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, non, laisse. Ces trucs comme ça, on dit pas, on parle pas comme ça. Et mes enfants sont quittés à l'école, j'ai parlé à mes enfants. Et j'ai appelé la dame en italien, elle m'a dit, va. Mais tu vas voir le frère Chora, bien tu fais quoi? J'ai dit, ben, il faut que j'attends un jour, le jour, il va faire encore la réunion, il faut que je déclare le gloire de Seigneur à tout le monde. Amen. Elle m'a dit, ben, j'ai dit, bon, je peux pas attendre. Quelques jours après, j'ai dit, non, il faut que j'y vais. Quelque chose me dit, vas-y. Et le jeudi vendredi, j'étais là, j'écoutais. Parce que moi, quand j'écoute le frère Chora, je peux commencer du matin jusqu'au lendemain. Wow. Oui. Jusqu'au lendemain, souvent. J'ai fait le mariage musulman. D'accord. Je n'ai pas encore fait pour Dieu. D'accord. Il le faut. Parce que mon mari, il avait fait tous les papiers. D'accord. Et il y a eu un peu de ménage au niveau de l'Afrique. D'accord. Et quand c'est venu, il m'a dit, oh, c'est un peu mélangé. D'accord. Et il a mis de côté. Mais par la grâce de Dieu, amen, de Jésus, je sais que ça va aller. Amen. Et du coup, c'est tellement beaucoup. Et après, j'étais là, j'ai dit, bon, j'étais là à accompagner ma fille à l'école. À mon retour, j'ai dit, ben, je passe à la poste pour prendre l'argent parce que, éclaircissant tout et tout, j'ai dit, le Seigneur a dit, c'est pas bon. Donc, tu éclaircissais ta peau. Je voulais aller payer une pommade. Wow. Et je suis rentré à la banque. On me dit, ça marche pas. Et je venais, quelque chose me dit, mais tu vas payer quelque chose à la pharmacie. Wow. C'est éclaircissant, faut pas payer. Il faut laisser. Là, je suis venue à la maison, je vois ma fille, j'ai dit, mais elle me dit, maman, il y a quoi, tu es bizarre. Elle dit, moi, je sais pas, quelque chose me dit de ne pas payer la pommade à la pharmacie. J'ai vraiment, elle me dit, mais maman, laisse alors. Et du coup, j'étais là, j'ai prié, quand j'ai dit, Jésus, quand j'ai prié, j'ai dit, Jésus, mon cœur est comme ça. Mon cœur bat, c'est comme je suis amoureux de quelque chose, c'est comme quelqu'un, je suis en train de... draguer quelqu'un qui veut venir envers moi. Wow. Et depuis ce jour-là,
ma vie en train de changer. Amen. En train de changer. Le problème, c'est ce que j'ai dit et je répète. J'ai fait mariage musulman. Je n'ai pas encore fait pour Dieu. Et je sais que le Seigneur il va répondre à ma souffrance aujourd'hui. Amen. Moi et mon mari, mon copain, je vais dire mon copain, ça va pas. Il faut qu'on fasse pour Dieu. C'est ça. Ça va pas. Et Dieu a mis la main sur moi. Et depuis, je suis quitté. Comment on appelle Creil. À Creil. Non, c'est comme moi et le père de mes enfants, on est des. Comment on appelle étrangers. Voilà. Wow. Je suis dans mon coin, il est dans son coin. Wow. Pourquoi? Je veux qu'il fasse le mariage. Amen. Pour marcher sur le chemin de Dieu. Amen. Pour que tout soit bien et tout avance bien. Wow. Et un jour, j'ai pas. Bon, quand je marche, je chante la chanson. Comment on appelle là? Oh là là. Jésus, oh. J'aime okay. beaucoup ça. Ah bon? Même quand je me couche, je chante. Et quand je marche, je chante. Un jour, je chantais. Eh ben, on va nous aider avec le piano tout de suite là, s'il vous plaît, les gars. Voilà. À la gloire de Jésus. Je chantais, j'étais avec ma fille et mon cœur qui fait encore. Je me suis arrêtée. Elle me dit, maman, on y va. J'ai dit, non, Sarah. Il est là, le piano. J'ai dit, j'ai mon cœur qui bat. Il suffit que je dise Jésus, mon cœur bat. Je suis amoureux de lui. Wow. Quand j'ai dit son nom, je suis tellement contente. Non, mon cœur bat. J'ai dit, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il y a. Elle me dit, mais maman, c'est vrai. J'ai dit, non, c'est vrai. Et puis encore, tout va bien. Tout est propre. Et le samedi, j'étais sortie. Il y avait, pareil, chez les musulmans, ils font des réunions au niveau des femmes, des tontines, des trucs. Et je suis arrivée là-bas, j'étais assise. En groupe, les femmes m'ont vu, mais ils m'ont dit, mais tu es bizarre, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Amen. Et un coup, quelque chose me dit, lève-toi. Lève-toi au milieu des femmes. Va te réfugier quelque part. Je suis sortie et je suis montée dans une maison où il y avait la soeur de la dame. Je suis allée rester là-bas pendant une heure, jusqu'à ils finissent leur réunion, tout et tout. Et quand j'étais là-bas, j'étais contente. Et quand je suis rentrée, quelque chose me dit, c'est ta place ici. Faut pas aller au milieu des femmes. Waouh. Et je suis sortie. Quand je venais maintenant, j'ai pris ma veste, j'ai pris mon sac, j'ai dit aux enfants, allez, on y va. Et j'ai dit au revoir. J'ai dit, Dieu, merci. Vraiment, Seigneur, ce que je vais dire à mes frères musulmans. Tu peux y aller. Là, tu peux y aller. Ce que je vais leur dire. Sincèrement, Josie est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Depuis que je suis rentré dans sa maison, vraiment, tout va bien pour moi. Tout va bien, 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 bien. Mes enfants aussi, quand on se met dans la prière, tout va bien. Et quand ça ne va pas, vraiment, il suffit qu'on prend la Bible, on lit, tout va bien. Et le jeudi, quand j'ai veillé, parce que j'ai veillé en train d'écouter Frère Choura, jusqu'à, comment on appelle, à 4 heures du matin. Et le lendemain, ma maison était propre. C'est comme quelqu'un a nettoyé dans ma maison. J'ai dit, mais dis donc. Et la dame qui a quitté en Italie pour venir, chaque fois elle nettoyait la maison. Et quand je me suis réveillée, je vois ma maison. C'est comme ils ont mis encore une autre peinture. Tout était propre. Tout était en ordre. Et ces jours-là, j'étais en joie. J'avais une force que je ne peux pas dire. J'étais contente, je chantais. Je dis, Dieu, Jésus, au nom de Jésus, vraiment, il est bon, il est bon, il est bon. Je dis, à chaque fois que je l'appelle, il est à côté de moi. Il ne m'a jamais, jamais, jamais refusé. Ce que je vais dire à mes frères, faut pas. C'est l'ignorance qui m'a appris. Mais aujourd'hui, je suis délivrée. Je suis rentrée dans la maison du Seigneur. Et j'ai dit à mes frères de se réveiller dès maintenant. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il faut qu'on se mette à la parole de Jésus. Il est là pour nous aider. Même on fait tout, quand même il va nous pardonner. Il faut que mes frères musulmans comprennent ça. Moi, bon, je suis allé à l'école, mais j'ai arrêté par rapport à mes parents divorcés. Et mon école est arrêtée. Mais grâce à Jésus, aujourd'hui, j'arrive à lire un peu. Mais
par la gloire de Dieu, il faut que je témoigne ça encore un jour. J'arrive à lire un peu avec mes enfants. Ah non, c'est formidable. On arrange. Ce soir, on continuer. Voilà. Sabrina. Magnifique. On est vraiment. Il n'y a pas de mots. Ah oh là là. Il est trop bon. Ouais. Le Seigneur mérite vraiment la gloire. La terre a été créée. Toi qui nous donne la victoire.
morceau de chant, tout si au fait, tout si. Quel témoignage. Et là, c'est, tu t'aperçois que tu es vraiment amoureuse. Beaucoup. Waouh. Beaucoup. Il suffit que j'ai dit son nom, mon cœur, ça bat. Waouh. Ça bat. Souvent, je m'assois. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Bon. Et après, je me lève. Et quand je chante, ça se calme un peu. Quand il dit Jésus, ça rebat encore. Waouh. C'est comme je suis
Je veux, quand on aime quelque chose, c'est ça. Le cœur qui bat, comme les deux copains, copines. C'est qui ça, se, c'est, voilà. Ça. C'est exactement ça, gloire à Dieu, mais c'est voilà. Magnifique. Voilà, donc magnifique. Je continue jusqu'à pour toujours. Amen. Et je vais revenir encore, je le sais, je sens Amen. Que je vais revenir encore. Vraiment témoigner. Est-ce que tu veux témoigner aussi dans ta langue pour toucher des femmes que tu connais, des femmes musulmanes qui... Oui, oui, oui. Tu veux avoir ce temps-là? Oui, aujourd'hui ou bien... C'est comme tu veux. Comme tu le sens. Si tu veux revenir demain, il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord. Ben, je peux le faire aujourd'hui. Ok, c'est parfait. Alors, on va faire ceci. Oui. Donc, je ne sais pas. Donc, on va vous donner à chacune du temps pour pouvoir donner tout ce que vous avez à donner. Hein, donc, comme c'est une chaîne qui est suivie par des milliers de personnes dans le monde entier, des gens de toutes les nations, toutes les langues, et on veut vraiment leur donner aussi l'opportunité de pouvoir recevoir la parole. Donc, en créole et en bambara, c'est ça? Oui, en bambara. Gloire à Dieu. Adjoula. Adjoula. Que Dieu soit béni. Alors, mes amis, ne quittez pas. Donc, une pause de 3 secondes, 10 secondes, et on reprend comme tu as des enfants qui sont en bas âge, donc en bamboula, djoula, tout ça, djoula, et puis ensuite en créole. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Bon Dieu bénisse, au nom de Yeshua. Dans 10 secondes, mes amis, merci.